Je crois maintenant que je vais vous écrire mon nom chaque fois que je dois intervenir. Bon, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que vraiment nous sommes ici à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas en train de défendre des comités ou quoi que ce soit. Chacun a son choix dans ce pays. Vous n'aimez pas quelqu'un, je l'aime. C'est des positions qu'on doit défendre. Et personne ne peut venir aujourd'hui nous imposer une position. Personne. Nous ne serons pas d'accord. Le monde était là, tout le monde était là. Mais aujourd'hui, chacun dit je n'ai rien fait. Qui a fait quelque chose alors? Toi. Qui? Tout le monde est comptable du problème qui se pose, des crises qui existent aujourd'hui. Mais tout le monde est comptable. Et qu'on arrête d'accuser les uns les autres, c'est moi. Non, mais ce n'est pas possible. C'est ce que je vous ai dit l'autre jour. J'ai dit que l'ADEMA est dans la majorité. Et elle n'est pas comptable. L'ADEMA n'est pas comptable de la gestion du Mali. Est-ce que l'ADEMA n'est pas comptable de la gestion du Mali? Donc le parti serait dédouané du seul fait seulement qu'il appartient aujourd'hui à la majorité. Qu'on arrête vraiment de venir nous parler. Le coup d'État, là, c'est un crime imprescriptible. Quels que soient les auteurs qui l'ont commis, et je vous dis aujourd'hui que ceux qui défendent ce comité militaire, qu'ils viennent nous dire aujourd'hui ce qu'ils ont posé en bien. Ce qu'ils ont fait en bien, qu'ils nous le disent, qu'on nous le dise. Tout le monde a vu, c'est visible. Ce qui s'est passé dans ce pays-là, c'est visible. Vraiment, qu'on ne vienne pas ici venir faire du bruit pour le plaisir de le faire. Vous défendez qui vous voulez, mais vous me laissez aussi dire ce que je veux. Et c'est ce que je voudrais vraiment dire à l'attention de tout le monde. Et les 3 milliards, le ministre est là, ils ont mis dans le rapport. Il n'a rien dit, il n'a pas répondu encore. Il peut venir nous dire si c'est une grande fois. C'est tout, c'est très simple ça. Les 143 véhicules.